J'aimerais déjà vous souhaiter une bonne année 2019. Là, on se retrouve ce soir dans la maison, donc pour continuer les travaux. Là, j'en suis à vraiment régler les quelques petits derniers problèmes de réseau de plomberie et aussi d'électricité. Donc, il reste vraiment très très peu de choses à faire. Donc, ce qui est plutôt encourageant par rapport à l'ampleur du projet. J'ai aussi des artisans qui travaillent actuellement dans la maison. Qui installent les Velux, qui font tout ce qui est isolation, ils posent des rails et ils posent du placo. Donc tout le reste des travaux, bien sûr, ça sera à moi de les assumer. Mais déjà, toutes les ouvertures de la maison, hormis la fenêtre qu'on voit ici, seront changées, parce que cette fenêtre, elle va très très bien. Elle est quasiment comme celle que je vais avoir. Donc, c'est-à-dire un double vitrage avec cadre PVC, puis un double battant PVC pour reprendre un petit peu l'idée des anciennes fenêtres. Donc ça, c'est les anciennes fenêtres. Donc c'est un simple vitrage, double battant, châssis bois, entièrement en bois. Mais bon, ça isole plutôt mal des conditions extérieures, donc vaut mieux les changer par des fenêtres en PVC double vitrage. On a bien sûr toujours les inspecteurs de chantier qui viennent tard le soir. Il y a aussi ici un rail IPN qui a été posé. Donc, d'une part pour soutenir la poutre que j'ai mise en place, et d'autre part pour soutenir l'IPN qui a été mis en place. Donc, l'IPN, lui, est par contre scellé des deux côtés du mur. On a gardé les piliers sur les côtés que j'avais mis en place pour tenir la poutre en bois, qui elle tient l'ensemble du plancher qui a été rehaussé. Donc par des étais rehaussés de quelques centimètres. Mais qui a permis aussi de conserver un petit peu la forme bateau. Donc l'IPN vient vraiment en renfort. Lui est encastré dans chacun des murs. Donc lui est encastré dans les murs de chaque côté. Ce qui fait que bah, le plancher, dans 100 ans, il sera encore là. Voilà, tant qu'il y a un toit sur la maison. Ça tiendra bien longtemps. Donc ce soir, ce que j'ai envie de vous filmer en même temps que la MJ de la maison, histoire de compléter cette vidéo, ce qu'on peut voir, le tuyau noir qu'il y a ici, donc ça je viens de le mettre il y a une trentaine de minutes. Donc là on a le tuyau noir, ici c'est l'arrivée principale de la maison. Ce qu'il faut que je fasse, c'est réisoler par-dessus, parce que j'ai des craintes que entre le mur d'origine de la maison et l'isolation qui va être mise en place, il y ait du gel qui puisse s'installer par exemple dans les périodes hivernales. J'aimerais bien qu'il soit isolé un peu plus que ça. Donc il y a une solution, c'est de le spray adhésif façon mousse expansive. On m'a parlé de ça, donc ça marche bien. Ça permet d'éviter de foutre toutes les attaches qu'on voit ici. Mais bon, j'ai pas ça sous la main, puis ça doit être un produit qui doit coûter assez cher et qui doit être dur à trouver, ou faut une machine pour l'appliquer. Donc ce que je ferais, je pense, c'est acheter de la mousse qu'on peut coller des deux côtés, qui va autour des tuyaux, et puis isoler tous les tuyaux qui vont vers les murs. Ce qui évitera aussi peut-être une déperdition de la chaleur pour tous les tuyaux de réseau d'eau chaude qu'on voit ici, qui sont en rouge. Donc, tout ça, c'est du PER, hein. C'est pas les systèmes en cuivre. C'est du PER avec des raccords sertis, comme on peut le voir ici. On peut le voir assez bien d'ailleurs. Donc c'est raccords sertis. Après, c'est accroché au mur. J'ai des attaches spéciales PER, celles qu'on peut voir, celles que je vais mettre ce soir. Et les autres attaches, j'ai fait en sorte que les tuyaux soient vraiment bien, bien, bien attachés ensemble. Vu qu'on est sur une restauration de maison et pas sur une installation neuve. Les points de fixation, c'est pas toujours les mêmes, hein. Donc là, j'ai choisi de vraiment tout bien faire tenir. Et dans cette idée-là, on va continuer sur le tuyau d'arrivée. Il faut que je serre le petit raccord en T qu'on a là-bas, le faire venir là. Donc j'ai déjà percé le trou dans le parpaing, c'est pour ça que j'ai mis le tuyau. Et on a ici aussi le tuyau de sortie d'eau chaude. Je sais, il est en bleu, mais bon. J'avais plus de PER rouge, j'avais que du bleu. Et bon, c'est pas très grave parce que je sais très bien quel réseau fait quoi dans la maison. C'est le seul qui n'est pas de la bonne couleur. Donc ces deux-là, on va essayer de les attacher. Enfin, en tout cas celui-là, faut vraiment que je le renforce derrière l'évacuation WC qu'on a pour l'étage.
continuer les points d'attache là. C'est pour ça qu'il y a la perceuse que j'ai modifiée d'ailleurs. Maintenant elle est vraiment bien. Avant c'était de la grosse merde. Je vais vous expliquer pourquoi dans quelques instants. Mais du coup le tuyau faut que je le fasse là. Après bon là on va peut-être faire un... Au lieu d'acheter un coude qui vaut 10 balles. Voilà. On va essayer de faire venir le tuyau comme ça vers le bas. Comme ça il ressortira au niveau du mur ici. Une fois que les rails seront posés, l'isolation posée et le placo aussi. Ainsi que le bleu qui vient de... Enfin, qui va à l'étage plutôt. Le bleu va à l'étage. Et dans l'ensemble des tuyaux que j'ai là, donc là on peut voir alimentation, machine à laver. Ici l'alimentation pour les toilettes. Et il y a un troisième tuyau bleu. Le tuyau bleu un petit peu plus foncé au-dessus qu'on peut voir, lui c'est l'arrivée d'eau de pluie. Donc c'est une eau qui sera pompée dans mon puits de réserve qui fait... C'est une ancienne cuve agricole. J'ai redirigé les gouttières côté jardin du toit de la maison vers ce puits. Donc ça, ça permet de l'alimenter en eau de pluie, tout simplement. Le puits en lui-même est fermé, donc voilà, il ne peut pas y avoir trop de vie microbactérienne qui se forme là-dedans. Et on va avoir une pompe à dépressurisation automatique, c'est-à-dire que dès que la pompe va sentir qu'il n'y a plus de pression dans le réseau, elle va s'activer et activer justement la pompe pour pomper de l'eau. Donc ça, je vais m'en servir que pour les toilettes, ce qui va permettre d'économiser de l'eau tout simplement, puis utiliser l'eau de pluie une fois récupérée pour les toilettes. Donc, je pense filmer aussi l'installation du tableau électrique. Parce que le problème c'est que ces derniers temps j'ai pas pris trop le temps de filmer ou de monter quoi que ce soit en vidéo. J'ai filmé pas mal de petites parties de pas mal de choses, mais au final il n'y a rien de concret pour en faire une vidéo. Donc ces derniers temps aussi j'ai retiré des câbles d'arrivée beaucoup plus gros pour l'alimentation de l'électricité qui va se faire maintenant par le bas de la maison. Donc ça on a le tableau de que pour le chantier qui est là, donc j'ai tout ce qu'il faut pour monter un vrai tableau électrique. J'ai toutes mes arrivées qui sont là-haut. Il m'en reste quelques-unes à tirer bien sûr, comme le ballon d'eau chaude de la cuisine, mais j'attends que les rails soient posés parce que ça va passer dedans. Donc le but c'est de faire comme le montage à droite et faire ça tout le long. Donc je devrais pas en avoir pour trop longtemps. Je vais choper tout le matos qu'il faut. Donc déjà on a une perceuse. Alors j'avais une super perceuse Metabo que j'avais réparée avant. Donc la perceuse Metabo en question avait un problème avec le bouton. Enfin surtout la marche avant, marche arrière, était bloquée en marche arrière et puis on pouvait pas accélérer à plus de 25% on va dire. Donc j'ai réparé ça, ça marchait très bien. Et avec tous les travaux que j'ai fait, les vis que j'ai mises et tout ça, ça a cramé les charbons, ça a cramé le rotor, enfin il y a... La perceuse était morte. Donc j'ai racheté pour pas trop cher une Titan. Voilà. Donc, elle avait tout ce qu'il me fallait, on va dire. Mais il y avait un mandrin sans clé. J'ai pas réussi à trouver de mandrin à clé. Donc je me suis dit, bah bon, c'est cool, ça évite d'avoir une clé à se trimballer tout le temps. Donc j'ai pris le mandrin sans clé. Vu que j'avais pas trop le choix. Et ce mandrin sans clé, en mode, donc c'est-à-dire une perceuse, je m'en sers principalement pour percer dans du béton de la maçonnerie, donc, enfin tout élément maçonné, donc en position marteau, et puis en première ou deuxième vitesse, selon ce que je perce comme matériel. Le problème, c'est que à chaque fois que je mettais un forêt béton dedans, le mandrin se desserrait avec les vibrations, il n'est pas du tout. Et bah, le forêt, il faisait ça, et puis on s'en rendait pas compte, et puis ça foirait le forêt, enfin c'était n'importe quoi. Juste pour faire un trou, ça devenait galère. Donc j'ai décidé de découper les disqueuses carrément, parce que j'ai pas réussi à extraire vraiment l'ancien mandrin de la visseuse, enfin de la perceuse. Et j'ai chopé le mandrin Metabo Made in Germany d'il y a bien plus d'une vingtaine d'années, que j'ai monté là-dessus. La clé, normalement, je la range là. Donc avant c'était une clé Allen qu'on mettait, moi j'ai percé en diamètre 8 pour mettre la clé qui règle. Bon là j'ai déjà le forêt de 10 qu'il me faut pour percer les trous, pour pouvoir fixer les tuyaux au mur. Donc c'est bien, c'est des attaches qu'on met comme ça, il n'y a pas besoin de mettre de cheville ou de vis avec un support en plus. Enfin, ça coûte vite très cher les attaches. Donc ça c'est des attaches assez rapides, je sais que ce mur... Toute la partie en dessous de la fenêtre, c'est une partie qui a été cimentée plus ou moins récemment. Donc ça devrait pas être trop du beurre et je devrais pouvoir mettre les attaches sans souci avec ce diamètre de forêt.
Voilà, donc ça c'est la petite histoire de la perceuse, donc d'un truc que j'avais envie de jeter à la poubelle alors que je viens d'acheter. Donc je viens d'acheter, on peut voir qu'elle a déjà un peu servi. J'ai quand même réussi à en faire une perceuse qui peut durer quelques années. Donc enfin, j'ai dû acheter ça un peu moins d'une centaine d'euros, quoi, mais. Enfin, c'est con, quoi, le mandrin d'origine n'a pas été testé en forage du béton, et du coup, ça marche absolument pas. Complètement friable. Complètement friable. La merde, putain. C'est ça qui est chiant dans cette maison. Tout ce qu'il y a de frigo, c'est fou. Ouais. Là, c'est. Ouais. Là, ça tient. Donc, ça. Je crois qu'il n'y a rien, mais il n'y a rien de viable. Hein. Vous voyez, ça c'est. Tout ça, ça se casse la gueule. Et lui, je vais cheviller. On va voir avec des chevilles si ça tient sur le tuyau d'arrivée. Moi je suis sûr que ça ne va pas partir. Donc pour tous les changements qui ont été faits ces derniers temps, c'est plutôt à l'étage. Donc à l'étage, même si on ne voit pas tout à fait bien, j'ai tout ce qui était placo plafond qui a été enlevé. Toute la laine de verre endommagée a été enlevée. Tout est réisolé via de la laine de verre un peu plus épaisse, neuve, qui est calée avec des rails. Donc tous les réseaux ont été changés en fait. Donc là j'ai toutes mes arrivées de VMC qui vont terminer dans ce coin-là. Comme ça il y aura un petit boîtier avec la VMC. Niveau ouverture, j'ai ce Velux, ce grand Velux et le petit Velux de la chambre ont été changés, enfin de la future chambre, hein, parce que c'est pas encore une chambre, vu qu'il n'y a pas de cloison. Et donc après ça va être tout isolé en laine de verre, après il y aura le placo, les bandes, les cloisons, tout ce qu'il faudra. Il manque du coup cette fenêtre qui doit être changée, la petite fenêtre cochère, cette porte qui doit être transformée en fenêtre, et ce Velux a changé.